sucré. Bonsoir, je suis la seule lors de tout le pleu. Mon émission, c'est l'émission qu'on appelle Gourmet Sucré. Une émission où il faut faire parler son cœur. Alors aujourd'hui, je suis en face de mon invité, c'est M. Balou Rodrigue. M. Balou Rodrigue, bonsoir. Bonsoir, maman, lors de tout le pleu. Oui. Bonsoir, maman. Oui. Merci beaucoup pour cette invitation sur votre plateau Gourmet Sucré. Merci aussi à vous. Vraiment, votre fille souffre. Vraiment, je souffre éperdument, maman. J'ai vu des marabouts, j'ai tourné, j'ai demandé à tout le monde, vraiment, on me conseille, mais ça ne va pas. Oui. Sur les réseaux sociaux, j'ai un peu tourné jusqu'à juste tomber sur maman lors de tout le pleu. Et à mon cousin, César, qui m'a dit, il faut aller voir la maman, peut-être elle peut te recevoir sur son plateau. Voilà, aujourd'hui, je suis venu. Vraiment, merci beaucoup, maman, pour tout ce que tu fais pour nous. La seule lors de tout le pleu, vraiment, merci. Merci de m'avoir invité. Vraiment, merci. Vous avez tapé à la bonne porte. Merci. Chez moi, ici, c'est vraiment, il faut que... Ce qui vous a dit de venir vers moi, ils savent de quoi je leur parle aussi. C'est pour vous dire que quand le cœur chauffe, il y a toujours quelqu'un pour refroidir ça. Monsieur Balou, quand tu t'es promené partout, quand on conduit une voiture là, en gare, non? Tu as roulé jusqu'à quand tu es venu au terminus, dans le monde là. Aujourd'hui, vous êtes en train de... Je sens même que vous avez tellement pleuré. On sent même que ça ne va même pas, parce que partout tu passes même, quand je t'ai vu même tout à l'heure, tu n'as même pas besoin. On peut dire que parmi les coachs aujourd'hui, moi je peux dire que je suis la plus forte même des coachs. Parce que je dis ce qu'il faut, il faut parler, il faut donner des conseils. Tu vois, il y a des gens aujourd'hui dans la rue, tu les vois marcher comme ça, ils sont tellement paniqués, ils savent plus où il faut partir. Mais avec la seule, l'émission Gourmet Sucré, il y a toujours une solution. Donc vraiment, je vous écoute, vous allez faire parler un peu votre cœur. Ce qui ne va pas au juste, pourquoi vous êtes laissé aller comme ça? Merci beaucoup, la seule heure de tout le pleu. Bon, cette dernière, elle s'appelle Josiane. J'ai connu Josiane en 2008. Josiane était une femme vraiment spéciale pour moi. J'étais son confident au début, on a discuté, on a appris à se connaître. J'ai voulu aller au-delà de tout ce que mon cœur désirait pour cette dame. Elle habitait à Bobo Baoulé. Elle était avec son oncle. Et elle souffrait avec son oncle et tout. Une fois, à 23h minuit, elle m'appelle. Elle dit, ah, il y a un problème. J'ai dit, bon, il faut venir à la maison, je ne sais pas. Il se fait tard, je suis encore en famille, tout ça là, il faut venir. Elle dit, d'accord, je viens. Elle est venue, elle pleurait. Elle dit, ah. Que mon oncle, là, vraiment, il veut avoir des rapports avec moi. À cause de ça, il me fatigue. J'ai dit, ah, vraiment, ça va aller. Son oncle veut avoir des rapports avec elle. Je te jure, maman. Un oncle, je ne sais même pas, il est comment. Donc, le lendemain, elle a dormi. Le lendemain, je suis allé demander pardon à l'oncle en tant que son camarade. Il m'a dit, non, que je me présente en tant que qui. J'ai dit, je suis son confident et tout. Il m'a dit, non, mais lui, c'est une histoire de famille. Qu'est-ce que je fais ici? Je me suis démerdé comme je pouvais pour essayer de régler le problème jusqu'à ce que ça marche. Et l'oncle en question m'a dit, bon. Apparemment, vous êtes ensemble, je sais. J'ai dit oui, papa. Il me dit d'accord, il faut venir faire le coco. Donc, j'ai dit ok. Ça lui commence. Qui veut faire l'amour avec sa cousine là. Et maintenant, il te demande maintenant de venir faire coco. De venir faire le coco. Je n'ai pas compris. Elle me dit non, que je lui ai dit que je suis avec toi. Et maintenant, c'est dans ça. J'ai dit ok, d'accord, ça marche. Et après, je vais lui demander quel est le coco. Je te jure, la seule heure de tout le plus. Il m'a demandé une somme qu'on n'a jamais demandé à quelqu'un pour un coco. Même la dot, même, ça ne peut pas. J'ai dit, le vieux, allons doucement. Il m'a dit, non, c'est ça ou c'est pas ça. J'ai compris qu'il était jaloux de la relation parce qu'il voulait cette fille en question. Vraiment. J'ai dit, bon, je vais lutter pour avoir cet argent. J'ai lutté, je lui ai donné la somme. Je ne sais pas si je dois dire la somme ou pas, je ne sais pas, maman. Il faut dire ça parce qu'on veut ça. Aujourd'hui, chez moi, à Gourmet Sucré, on veut savoir tout ce qui se passe. Il m'a demandé 10 bouteilles de liqueur plus une somme de 500 000 francs pour un coco. Moi, je ne sais pas si ça existe encore. Donc, j'ai lutté jusqu'à ce que je lui ai remis. Et un coup, on a commencé à se voir. Et c'est, maintenant, elle devait venir maintenant chez moi à la maison. Donc, j'étais là. Un jour, encore, elle m'appelle encore. Elle me dit, ah, que le monsieur veut la libérer maintenant de la maison, que tu m'as marié, donc de venir te prendre. J'ai dit, d'accord, il faut venir à la maison. Et elle est venue à la maison. Elle était en famille. J'étais avec ma mère. Ma mère m'a dit, non, on ne prend pas femme pour mettre dans la maison de ses parents, ce n'est pas bon. Donc, j'ai lutté quand j'ai eu un peu d'argent. Je suis allé prendre une petite maison. Donc c'est dans ça, elle a commencé à vivre avec moi. Et jusqu'à, on était là, elle dit, elle veut aller à l'école, tout et tout. J'ai dit, bon, tu as quel niveau? Elle dit, elle a un niveau seconde. J'ai dit, d'accord, pas de problème. Mais quand tu commences, excuse-moi, quand tu commençais avec cette fille, elle était élève? Bon, elle avait arrêté l'école. Elle dit, non, on ne peut pas payer ses études. Elle était quittée à main pour venir. Donc, c'était sa seule famille à Abidjan. Donc, j'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je l'ai reçue. Et je suis allé demander, mais tu veux faire quoi? Elle dit, ah, je veux faire hôtellerie. J'ai dit, ah, les écoles hôtelières, là, vraiment, c'est un peu cher. Oui. Elle dit, je veux faire ça, il faut m'aider.
Donc, je suis allé me renseigner dans une école à la Riviera 2. On m'a dit non, il faut 4 ans. En raison des 170 000 par an. Plus les cahiers, tout ce qu'il doit faire. J'ai dit ok, j'ai fait. Elle a fait une première année cuisine. Elle a fait deuxième année pâtisserie, j'ai payé. Elle a fait troisième année réception. Et après, maintenant, elle a passé maintenant son diplôme de tout. Et Dieu merci, 4 ans après, elle a pu avoir son diplôme. C'était une joie pour moi. C'était oui. ma femme. Oui. Et je voulais maintenant la marier, même la doter. Et je lui ai demandé à qui je vais partir. Demander, elle dit, ah, mes parents sont morts. Après, elle a déposé les 10 bouteilles là. 10 bouteilles. Maintenant, le mariage, mais là, voilà. Maintenant. Donc, mm-hmm. je suis allé à un amant. J'ai un quartier, on dit Petit Bapleu de Mans. Voilà. Je suis arrivé là-bas, à Petit Bapleu de Mans. J'ai vu ses parents, je me suis assis. J'ai dit, ah, papa, vraiment, je veux votre fille. Il dit, bon, d'accord. Comme c'est la grande famille, il faut la doter. Voilà ce qu'on donne. Ils m'ont demandé certaines choses. Et j'ai appelé à Abidjan, j'ai informé. On dit, bon, rentre en famille, on va régler comment faire la dot. Bien sûr. Voilà. On a fait la dot, tout et tout. Tout devait être réglé bien, bien. Et par la grâce de Dieu, après ça, j'ai eu un petit boulot de commercial dans une microfinance à Bassam. Voilà. Voilà, donc j'étais à Yopougon avec ma petite femme tranquille, il n'y avait pas de problème. Et j'ai commencé à me démerder pour joindre les deux bouts. Après, elle me dit non que ah, cette histoire d'hôtellerie, ça tourne, je lui ai trouvé un petit stage, mais elle veut avoir son magasin à elle, en plus encore. Malgré que j'étais commercial, j'avais un mec salaire. Mm-hmm. Je me suis démerdé, j'ai demandé un prêt dans la microfinance. Et en tant qu'un bon employé, ils m'ont donné le prêt. Un prêt de 5 millions, maman. Ouh là là. J'ai lutté. Je suis allé au marché de Coco Vico. J'ai demandé si c'est possible d'avoir un magasin. On m'a dit non, de faire, de concevoir un conteneur, de fabriquer un conteneur pour qu'on puisse me donner une place. Donc j'ai fait le conteneur, j'ai mis les chaussures, tout et tout. On a fait les achats ensemble. Et elle a commencé à fonctionner. Elle a eu son propre magasin. Et c'était comme ça. Elle s'en sortait financièrement. Mais chaque fin de mois, quand j'avais l'argent, je lui donnais son argent aussi de poche. Je payais vraiment tout ce qu'il faut, malgré son argent. J'étais toujours dans ma gamme. Bien sûr. Voilà, je ne demandais rien. Je lui donnais toujours le minimum. Et maintenant, on était là, plusieurs années, on était là, jusqu'à un moment donné, par la grâce de Dieu, en 2016, elle a pris une grossesse de moi. Elle m'a donné un joli bébé. Seigneur, ma fille, Nelly. Mais pour le joli bébé, vous n'avez pas besoin de pleurer pour ça. Elle a pris ma fille. Oh, Seigneur. Elle a pris votre fille. Maman, elle a dit tout le bien, elle a pas tué mon enfant. Elle a pas tué mon enfant. Calmez-vous. Parce que là, c'est tout ce que tu avais dit tout à l'heure, c'est tellement joli à attendre. Et au dernier moment, vraiment, c'est que vous êtes vraiment touché. Parce que pleurer comme ça pour dire qu'on a pris votre bébé. Cette dame, elle vit à Abidjan ici, vient, elle est où ça? Elle a fui. Tu ne sais même pas où elle se trouve avec l'enfant. Et puis elle m'appelle souvent pour me narguer. Je ne sais pas pourquoi. C'est qu'elle ne m'aime plus. Pourtant je l'aime. Voilà, elle ne t'aime plus. Non, toi, ce qui te fait beaucoup pleurer, c'est le problème d'enfant. Parce qu'un homme qui vient sur l'antenne comme ça, qui commence à couler des larmes pour un enfant, vraiment, c'est vraiment, moi-même qui suis la mère, bon, vraiment, je suis vraiment touchée. Je suis vraiment touchée. Je vais chercher à convoquer la dame. Je vais chercher à la convoquer pour qu'elle vienne aussi m'expliquer ce qui ne va pas exactement. Parce que toi, c'est ce que tu as expliqué. Elle aussi, je vais la convoquer. Elle va venir un jour pour m'expliquer pourquoi ça se passe comme ça. Avec tous ces trucs que tu as fait pour elle, elle n'a même pas réfléchi. Et encore, pour te faire pleurer encore, elle te soulève un enfant sans même savoir où se trouve l'enfant. Est-ce que tu vas? Donc, je serai obligée de convoquer la dame de venir me trouver chez moi à Ivoire TV Musique ici. Maman, pourquoi elle ne s'est pas arrêtée là, hein? Oui. Elle ne s'est pas arrêtée là, maman. Elle a fait quoi encore? On a été ensemble. Elle m'a pendant 4 mois dans une maison. Je veux la toucher. Elle ne veut même pas que je la touche. Voilà. 4 mois sans toucher ma propre femme. Voilà. Et un jour, je venais parce que c'est dans le mois, maintenant on est en 2020, dans le mois du corona là. Donc, c'était difficile. Ils ont fermé le port, tout et tout, mes activités. Maintenant, même à la microfinance, ils nous ont dit de rentrer à la maison. Donc, on n'avait vraiment pas d'argent et tout. Donc, le peu que j'avais, j'ai dit, je vais manger ma femme au fur et à mesure. À côté de nous, souvent, c'était les mois subites, mais elle mangeait matin, midi, soir. Je me demandais pour qu'elle ait le minimum. Vraiment. Donc, comme j'avais perdu un peu mon emploi dans ce temps, j'ai dit, bon, je mettais mon cache-nez, je partais me chercher un peu. Un jour, je rentre à la maison, ma fille, Nelly me dit, non, papa, et tonton, fais bisous sur bouche de maman. Quel tonton qui fait bisous sur bouche de ma femme? Tonton, il habite à la maison. Je ne sais même pas, à mon absence, on dit tonton fait bisous sur bouche de ma femme. Ah, c'est d'accord. Là, j'ai compris qu'il y avait un problème. Non, ce qui est sûr, la meilleure solution, je t'ai tapé à la bonne porte. Avec la seule lord de tout le peuple, chez moi ici, là, c'est un coin aujourd'hui que Dieu, c'est Dieu qui a créé ce coin-là. Et c'est Dieu qui a donné l'idée qu'on appelle Goumé. Excusez-moi. Ce n'est pas la peine de vous mettre à pleurer. Il y aura toujours une solution. Une femme, même déjà, à partir d'un jour même qui refuse à son homme, c'est qu'elle s'est fait couiller dehors.
Est-ce que tu vois? Parce que quand tu ne veux plus d'une personne, ce n'est pas la peine de chauffer son cœur. Est-ce que tu vois? Tu nous dis carrément que ah, je ne veux plus de toi. Une femme, à n'importe quelle heure, elle doit toujours céder. Elle doit toujours céder. Elle doit donner à son mari. Elle va te faire trembler comme pour une seule femme. Tu vas devenir fou, penser à n'importe quoi. Je suis désolé, mon fils. C'est même pas la peine de te mettre à pleurer. Je vais convoquer la dame. Ici, c'est un coin. Moi, je cherche toujours à unir les gens, pas à les séparer. Est-ce que tu vois? C'est pour ça que je dis que nous, les femmes, nous sommes maso. Les femmes n'ont pas la réalité. Elles n'ont pas voir l'homme qui l'aime. Quand tu fais souffrir une femme, elle te suit. Toi-même, tu es là aujourd'hui, tu es en train de gaspiller ton argent. Va prendre ton propre argent, aller entretenir un homme dehors. Est-ce que tu vois? Quand on parle de lui aujourd'hui, l'homme est riche, c'est quand il est riche qu'il il va faire l'amour à une femme. Le riche n'a pas de phase, il ne connaît rien dans phase. C'est celui qui n'a rien même, il te couille, mais il est sur toi sans ventre la terre. Tu vois même la sueur qui coule sur sa tête. Boum, boum, la femme aime ça. Est-ce que tu vois? Donc, à partir d'aujourd'hui, vous qui aimez les femmes, qui gaspillez sur les femmes là, arrêtez de faire ça. Est-ce que tu vois? Il y a des femmes aujourd'hui qui portent des bagues de mariage, hein, qui sont avec leur mari, mais qui préfèrent se mettre à l'aise dehors. Nous, quand tu vas dire tout à l'heure, avec tout ce que tu entends de dire, si c'est vraiment la réalité, c'est que ce n'est pas la peine. Est-ce que tu vois? D'abord, pour tout commencer, elle a menti sur son oncle. Un oncle va couiller sa nièce pour faire quoi? Je ne sais même pas. Si elle fait tout cela pour qu'elle vienne auprès de toi. Est-ce que tu vois? Tu l'avais vu, elle n'était pas étudiante. Elle s'est promenée avec un morceau d'épargne. Aujourd'hui, on dit, viens, on va s'asseoir. À cause de vous, partez prendre des grands crédits. Demain, tu ne payes pas. C'est la banque qui t'est. Je n'ai même pas encore fini de rembourser le prêt avec la microfinance. Ah, et puis maintenant. Jusqu'à présent. Elle refuse. Même si je dois crédit au moins, ce n'est pas le client qui doit crédit. Elle doit livrer là-bas. Parce que ce n'est pas là-bas qui a pris le prêt. Donc, il faut attendre qu'une femme qui fait ça, ce n'est pas normal. Ça fait qu'aujourd'hui, quand l'homme croise une femme, il n'a pas besoin de l'aider. Il n'a même pas envie de l'aider. Parce que je vais t'aider et puis demain, tu ne vas pas me regarder. Maman, elle a osé me traiter de rienneux. Je rentre à la maison, elle prépare à manger. Au début, dans les deux jours, quand j'ai eu mon problème, elle préparait à manger. Je sortais pour aller chercher du travail. Uh-huh. Un jour, je rentre, je vois, j'ai une assiette, je fouille dans la cuisine. Je dis, ah, bébé, et ma nourriture. Elle me dit plus jamais que je vais l'appeler bébé, qu'elle n'est pas là pour nourrir un vieux bébé rienneux. Voilà. Moi, je suis rienneux aujourd'hui. Mais elle, tu es rienneux. Moi, rienneux. Mais rienneux, t'as couillé. Je ne sais pas si elle m'entend, maman, mais si tu m'entends. Hein? Moi, rienneux, tout ce que j'ai fait pour toi. Je dis, elle t'attend bien. Notre télévision, c'est une télévision internationale. Ça va partout. Ivoire TV, ce n'est pas n'importe quelle télévision. Ça va partout. Elle t'attend bien. Toi, tu es rienneux. Je sais qu'elle-même, elle est rienneux aussi. Parce que c'est rienneux qui t'a couillé, puis tu as fait enfant. Est-ce que tu vois? Quand tu vois une femme, quand tu es un peu, elle fait semblant de s'approcher. Mais quand tu n'as plus, la femme ne te considère plus. Moi, j'ai un homme qui est venu m'expliquer son problème. Il m'a dit, mais la seule, je suis même si ma femme est pire, il faut faire, tu vas descendre. C'est depuis là, tu es dessus, tu ne finis pas. Alors qu'avant, là, même quand j'ai fait un coup, elle me dit, je vais deux coups. Mais maintenant, mes demi-mains n'arrivent même pas. Demi-mains n'arrivent pas, il faut descendre. Hein? Et dans la maison, mais quand il arrive dans sa propre maison, il a peur de venir. Quand on dit souvent que les hommes sont dans des maquis, ils ne rentrent pas. C'est pour éviter les histoires à la maison. Parce qu'il préfère passer tout son temps. C'est pour éviter les histoires à la maison. Est-ce que tu as vu? Bon. Donc, tout ce que ici, avec l'émission de la seule heure de tout le pleu, mon émission Gourmet Sucré, je suis là pour dire la vérité et donner des conseils aux gens. Avec tout ce temps, aujourd'hui, tout ce que tu avais dépensé, on va vous donner des pochettes au moins pour vous, parce que depuis là, vous coulez des lames. Non, mais vraiment, excuse-moi, c'est pas soeur. Vraiment, je suis même tellement que je suis découragée, mais je ne sais même pas ce qu'il faut dire à la dame. Quand tu ne veux pas d'une personne, elle sait. Parce qu'un homme aujourd'hui, tu as donné toute ta vie. Tu as donné toutes les dépenses que tu as faites. Tu pourrais te créer quelque chose aujourd'hui, s'asseoir dessus. Est-ce que tu vois? Tu vois une femme aujourd'hui, ne payez plus quoi des femmes là. Hein? J'ai un oncle aujourd'hui, attends qu'il faut que je passe ça sur les antennes. Ce monsieur a croisé une dame qui était au CE1. Il dit, lui, comme il se débrouillait déjà. La dame était au CE1, il dit, comme lui, il se débrouillait déjà. Et il a fait la mettre à l'école un peu jusqu'à passer concours. Je vous dis que la femme se trouve aux impôts. Mais le monsieur, un chauffeur, son propre chauffeur, c'est lui qui tabasse ça. C'est lui qui tabasse ça. Et quand sa femme, son mari lui demande, il dit, quand tu te regardes la même là, toi et moi, on est la même chose. Il dit, ah bon, avec tout ce que j'ai fait pour toi, jusqu'on s'est marié, les grands, des grands enfants, il dit, si ça t'énerve là, allons divorcer. Parce que je suis fatigué. Au lit même, on ne te voit même pas. Hein? Moi, j'ai affaire à un homme costaud qui va bien me soulever. Toi, au lit pour t'attraper, mais on fouille partout. Avant de te trouver là, tu veux faire quoi, hein, moi? Hein? Mon homme là, quand il est sur moi comme ça, là, je suis à l'aise. Il est costaud grand.
Et puis c'est toi, tous les jours, tu me dis, pousse ici. Je suis désolée. Tu as joué à mes fesses, l'heure arrivée pour un nouveau. Donc, je préfère aller le costaud là. Il a dit d'accord. Alors que le costaud aussi avait sa petite forme de sucre au bois, qu'il a passé toute sa galère avec lui. Hein? Donc, elle aussi, elle a deux enfants, lui. Parce que l'autre côté, elle est aux impôts, elle a tous les moyens. Elle donnait tout au costaud. Le costaud aussi tapait ça bien. Mais quand il a compris que la dame a divorcé, ah non, ce monsieur s'est ressaisi. Il a dit, mais attends, je vais prendre ma gourde de sucre au bois. Elle a dit, ah bon, tu me laisses comme ça. Il dit, mais oui, je dois te laisser. Parce que c'est parce que tu étais occupé. Quand je suis chez toi et je sais que c'est le vagin de quelqu'un que je tape, alors ça m'excitait. Maintenant, comme tu veux devenir à moi seulement, ça ne m'arrange pas. Il est reparti avec sa petite forme de sucre au bois. Donc, il faut te dire que mon fils, avec un gourmet sucré, tu es bien tombé. Parce qu'il ne faut pas pour elle seule seulement, tu vas te tuer. Prends tout ton calme, sais au moins où l'enfant se trouve. L'enfant n'a rien à voir dedans. Dans cette histoire, il n'a rien à voir avec votre histoire. Il faut récupérer ton enfant. On va parler aussi à la dame. Si elle ne veut pas comprendre, alors mollo, mollo. C'est que Dieu n'a pas décidé pour toi. Mais pour un joli garçon comme toi, comme ça, tu vas te mettre à pleurer parce que ça, toi, tu ne pleures pas parce que... Est-ce que c'est normal? Excuse-moi, maman. Est-ce que c'est normal? C'est même pas normal. C'est ça, c'est pas normal. Je dis que c'est même pas du tout normal. Comment on peut seulement là? Elle chante le nom de mon enfant. Elle m'appelle pour me narguer, pour me dire non, ma fille ne s'appelle plus Nelly. Hein? Comment ma fille ne s'appelle plus Nelly? Tu donnes moi mon enfant. Hein? Mon seul enfant, mon unique fille. Hein? Où tu es, je vais te chercher jusqu'à te trouver. Mon enfant, je veux mon enfant. J'ai dit, tu vas avoir ton enfant. Et puis, maman, je ne veux pas la laisser, elle a seule. Il faut la prendre. Je veux toujours la prendre, je l'aime toujours. Tu l'aimes là, je maintenant l'aime là. Toujours. Ou bien comme avant là, tu couillais en détail. Il faut faire complet maintenant. Je l'aime toujours, je la veux. Comme avant elle là, tu l'as couillée en détail, non? Tu l'as couillée en détail. Maintenant là, il faut faire complet. Parce que la femme même adore quand tu la couilles. Et puis les matelas tapent sur, les tesquis tapent sur matelas là. C'est ça, elle te respecte. Peut-être avant, comme dit, c'est ta femme, tu faisais doucement. Mon chéri, il faut te reposer. Il n'y a plus de repos. Si tu la prends maintenant là, c'est un règlement. C'est un règlement de couillement. Pour ta fille là, ce n'est pas la peine de pleurer. On ne peut jamais changer. Elle va beau changer le nom, mais où l'enfant est né, il est... même en brousse, même on sait quel jour l'enfant est né. L'enfant porte toujours ton nom. Il ne faut même pas te déranger pour ça. On a eu des cas plus que ça. Il ne faut même pas te déranger pour ça. Est-ce que tu vois, moi aujourd'hui, pourquoi je vais te dire pourquoi je porte le nom Touré? Mon père est ouais. Mon père est de Pékin. Et quand mon père s'est séparé avec maman, moi la seule, j'avais 2 ans. Quand ma mère est venue en Côte d'Ivoire. Donc, elle a fait la connaissance de ce monsieur, monsieur Touré Gaston. Il a dit, bon, comme moi, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai eu du travail chez Blonde. Donc, il faut qu'au moins, je mette mon nom sur... L'enfant va mettre son nom dessus. C'est ainsi qu'ils ont mis mon nom sur M. Touré. Donc, je porte le nom Touré. Mais le nom Touré que je porte, je suis très fière. Parce qu'au moins, mon père n'a jamais demandé après moi. Tout ce temps, jusqu'à... J'ai connu mon père à l'âge de 36 ans. En ce temps, j'étais déjà mariée à un pilote. Parce que chez nous, à des funérailles, quand on s'en va là-bas, les gens en parlent. Ah, celle-là, elle ressemble à la fille de Whitey, hein? Whitey de Pékin. Whitey. Je suis venue dire, c'est un jour, mon mari dit, mais je peux croire ça parce que les enfants du monsieur sont noirs. Et toi, tu es clair. Et mon père est parti, mon mari m'a mis dans l'avion, on est parti au Libéria. On a retrouvé mon papa. Regarde ma maman qui est là, là. Quand elle va au Libéria, là, elle prend mes photos, là, hein? Et puis elle balance ça à mon papa. Ta fille est devenue boss, elle est devenue ceci. Hein? Le sang ne se fait pas. Mais le nom Touré, je ne peux jamais enlever. Parce qu'il m'a soutenu, il m'a pris comme sa propre fille. Même si j'ai vu mon père, mais je serai toujours avec Touré. Quand on veut changer mes papiers, il dit non. Ce nom-là va toujours rester chez moi. Est-ce que tu vois? Donc, il faut te dire que nous, les mamans, là, nous, les femmes, là, on est très dangereuses. Quand elle prend mes photos, si moi, j'habitais Biétry, j'étais la voisine de Yassé Philippe. Quand tu t'en vas comme ça, ma maman, quand elle s'en va, elle prend mes photos, elle envoie où je ne suis jamais allée. Et j'arrive, le monsieur, pour montrer les preuves que c'est ma fille qui est là. Voilà toutes les preuves. Mon mari Nyakou a dit, wow! En bon. Et le jour qu'on venait, directement, on est descendu à Bobo chez ma maman. Quand je suis descendu, il dit, Nyakou, il y a une coulette. Elle dit, flin-flin. Il dit, ça, c'est quoi? Je te demande pardon. Parce que tellement que je t'aime, si je te présentais au monsieur, il allait t'envoyer. Je n'allais pas te retrouver. Est-ce que tu as vu? Donc, ça là, ta fille va revenir à toi. Comme tu dis, tu aimes la femme. Elle va revenir. Je l'aime toujours. Tu aimes toujours. Venir, ma fille. Elle va venir. Tu vois, le moment, donc, c'est toute cette souffrance que ton fils vit. Ah, vraiment, là. Je la veux encore, n'a qu'à venir, mon enfant. Moi-même, vraiment, tout ce que tu as dit là, ça me. Je vois que vraiment, tu es vraiment touché. Jusqu'à même, tu coules les larmes sur l'antenne comme ça, tu es vraiment touché. J'en ai marre, je suis fatigué, maman.
D'accord, tu en as marre. Je sais que tu en as marre. Mais chaque histoire, il y a toujours une solution. Il n'y a pas un problème qu'on ne peut pas régler. On règle tout. Quand c'est dur, jusqu'à pas fini, Dieu va affaiblir ça. Il n'y a même pas de problème. Tu vas tout faire, toi, me donner le numéro de ta femme pour que je puisse aussi attendre sa version. Elle va décrocher. Si elle ne décroche pas. Mon fils, elle va décrocher. Et puis, je vais aussi attendre sa version. D'accord, maman, j'ai compris. Mm-hmm. Tu veux son numéro? Je veux son numéro, mais je vais l'appeler. Bon, merci mon fils. Oui, allô? Bonsoir ma fille. Bonsoir madame. Excusez-moi du dérangement, je me présente, je suis la seule lors de tout le pleu. Ah, je suis à l'émission Gourmet Sucré. Alors ma fille, excuse-moi du dérangement, j'ai reçu monsieur Balou Eric. Vous le connaissez? Balou Eric. Oui. Balou Eric. Oui. Je le connais, mais il y a pas de problème avec lui. Non, il n'y a pas de problème avec lui. Il est venu sur mon antenne. Je suis coach à Ivoire TV Musique et l'émission, on appelle ça Gourmet Sucré. Lui, là, il fait quoi sur télé là-bas? Il n'est pas venu. Il fait quoi sur télé là-bas? Non. Il va dans télé maintenant pour parler mal de moi. Non. Il va aller dans télé pour me salir. S'il est venu. Oh là, tu vas dans... Moi, je suis. On ne se connaît pas, mais je suis aussi ta maman. Aujourd'hui, là, tu vas sur télé pour parler mal de moi. Non. Il n'a pas parlé mal de vous. Parce que moi, j'ai entendu sa version. Je n'ai pas aussi entendu votre version. Donc, quand il est venu, c'était l'émission Gourmet Sucré aujourd'hui. C'est pour unir les gens. Ce n'est pas pour les séparer. La manière que j'ai écouté. C'est pour lui, c'est là. Moi, je suis passé à autre chose. Il pense qu'il va passer dans télé, là, ça a changé quoi. Ce qui m'intéresse beaucoup dans cette histoire, vous êtes parti avec son enfant. Vous avez fille avec son enfant, non? Quel enfant? Vous n'avez pas fait enfant avec M. Balou? Lui, il a quel enfant avec moi? Maman, celui-là, c'est un menteur. C'est un menteur, non? Il ment. Toi, tu me racontes les trucs. Aujourd'hui, tu vas me traiter de menteur? Donc, tu appelles à la télévision pour me traiter de menteur? Calme-toi. Non, maman, mais attends, la seule chose que tu non, mais il faut te calmer. Non, je ne suis pas d'accord. Non, mais il faut te calmer. Mais tu vas me donner mon enfant. Non, il faut te calmer. Tu vas me donner mon enfant. J'ai dit, il faut te calmer. Pourquoi on va comprendre ce qu'elle veut parler? Mais c'est abusé, quoi. Attends, excuse-moi. Ma fille. Ma fille. Oui, maman. Oui. Excuse-moi, hein. Je l'ai calmé. Il faut que tu m'expliques au moins qu'est-ce qui ne va pas. Maman, je vais t'expliquer. Voilà. Il y a des gens qui pensent que eux, parce qu'ils t'ont aidé, c'est devenu crédit sur toi. Dans la vie, souvent, on se met avec des personnes. Et puis, quand l'amour n'est plus là, au lieu que je vais rester avec lui et puis je le trompe en cachette, là, j'ai préféré partir en même temps. Et puis, Rodrigue, tu es là, tu parles, mon enfant, là, l'enfant, là, c'est pas de toi. Quoi? L'enfant, là, n'est pas de toi. Qu'est-ce qu'il a dit à côté de ça? Tu as envoyé ma fille. Eh, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Attends, tu dis, tu as dit quoi tout à l'heure? Mon fils, Rodrigue, monsieur. Tu descends comme deux gouttes d'eau. Oui, Rodrigue, excuse-moi. Ma fille. L'enfant là, c'est pas pour toi. Voilà, excuse-moi, j'ai dit. Ma fille, tu m'écoutes? Oui. Voilà, tu as dit l'enfant. Bon, tout ce temps-là, tu sais que c'est pas lui. Et puis tu vivais. C'est le sympa, c'est le divin qui t'aime. Non, asseyez-vous. Je dois quitter l'émission. Non, mais asseyez-vous, s'il vous plaît. Monsieur, asseyez-vous. Asseyez-vous. Ma fille. Asseyez-vous. Nathan, je vais parler. Quand il a pris, il allait se mettre dans la télévision pour que tout le monde entier Nathan entende ce qu'il a dit. Moi, Nathan, mais il s'est parlé. Voilà. L'enfant n'est pas. Vous avez dit tout à l'heure que l'enfant n'est pas lui, non? C'est marié. Il est venu demander ma mère chez mon oncle. Mm-hmm. Et il courait tout le temps derrière moi. Mon oncle a dit, ah, ce jeune, il allait bien. Il faut l'accepter. Au lieu de Dieu ne vaut rien du tout, il faut l'accepter. Tu n'as pas dit que ton homme voulait coucher avec toi? Aujourd'hui, tu parles de bien de ce monsieur-là. Excuse-moi, on va bien se comprendre. Il faut laisser, elle va expliquer, elle va faire parler son cœur. Moi, je suis là, je suis une maman, la seule de tout le pleu. C'est pour unir tout le monde. Je ne veux pas de division dans mon foyer, ni dans ma vie, ni encore sur la télévision que l'opinion, je gère. L'opinion, la côte voit, tout le monde voit aujourd'hui. Oui, là. On va voir où tu es, caché, là, on va voir. D'accord. Mais si tu ne laisses pas parler, on ne va pas entendre ce qu'elle dit, hein. Oui, je vous écoute. Donc, maman, oui, quand oui. Je l'ai accepté, là, chez nous, moi, je suis la seule fille de ma maman. Mes parents sont à moi. Et tu vois. Donc, j'ai dit donc que mes parents disaient, ah, tu t'es mis à le jeune, il faut nous donner des petits-enfants. Maman, j'ai essayé pendant un an, enfant son père et lui. Mm-hmm. J'ai essayé pendant un enfant son père et lui. Donc, mm-hmm. J'ai compris que peut-être qu'il a un problème, il a honte de me dire. Mm-hmm. Donc, moi aussi, pour lui donner un peu d'honneur, là, hein. Celui qui était là avant lui qui me draguait là, c'est lui que je suis sorti. On a fait juste une fois comme ça. Et puis je suis que j'étais enceinte. Qui tu es sorti avec qui? Vous êtes sorti avec qui? C'est mon ex. Ton ex-gars? Oui, mon ex-gars. Voilà. Lui-même, on n'est plus en contact. D'accord. Il ne sait pas.
Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, mon chéri a un problème. Une femme, ça doit savoir faire des sacrifices. Donc, moi, je me suis dit, je vais lui donner cette joie de connaître ce qu'on appelle la paternité. Il va avoir un enfant qui va l'appeler papa. D'accord. Aujourd'hui, c'est lui qui a venu parler comme ça. Enfant, là, c'est pas pour toi. Le monsieur qui je suis actuellement, là, c'est pour lui, l'enfant. Mais elle a qu'à arrêter de dire, enfant, là, c'est pas pour toi. Attends, je vous dis, monsieur, ici. Ici, c'est pour se faire comprendre. Ce qu'elle a dit, tu es venu chez la sœur lors de tout le peuple, non? Moi, j'ai solution de ça, là. Je l'ai dit, la vérité. Ce qu'elle entend d'expliquer, moi, j'ai solution de ça. Ma fille, vous avez fini? Vous me permettez que je vous donne la réponse? Maintenant, je dis, je ne lui dois rien. Je ne lui dois rien. Je ne l'ai pas. Et le magasin que je t'ai offert à Coco Vico, et mon magasin, je t'ai offert en raison de 5 millions. Un homme qu'il avait sa femme, les gens s'en occupaient. Toi, tu penses que ça allait, j'allais rester. Toi, tu montes sur moi, matin, me dis, sois boum, boum, boum. Toujours cette même position-là. Couche-toi-là. Il n'y a même pas innovation dedans. Moi, je suis fatiguée de position de mari, couche-toi-là. Moi, il me dit, il allait partir prendre les médicaments, les bourreaux, là, pour te taper comme tu es devenu maintenant intactable, là. Donc, je vous dis que, excusez-moi, moi, je pense que tout ce que. Tout ce que tu entends de dire, ma fille, moi, je suis très contente de t'entendre parler. Mais ce que je voulais parler aussi, pour que les Ivoiriens puissent comprendre, ça veut dire qu'on va faire comme les Hébriers. Les Hébriers, eux, c'est le matriarcat. Ils disent que c'est la femme, eux, ils croient que c'est l'enfant. Mais l'homme, là, vous dites, les papas, Hébriers ne croient pas ça. Tu sais bien, il est impuissant. Rien ne va en lui. Et quand tu es tombé enceinte, tu lui as fait croire que la grossesse, c'était pour lui. Donc, si on veut bien voir, mais tu es une femme, tu es escroc, hein? Parce que tu es très dangereuse. Tu peux même tuer quelqu'un. Non, l'enfant n'est pas à toi. Et la grossesse n'est pas. Et tu es la grossesse de quelqu'un d'autre. Et puis tu couches avec cet enfant. Je ne l'ai pas forcé à venir me prendre. C'est lui-même qui a couru derrière moi. Je ne l'ai pas forcé pour venir. Donc quand il partait vers toi, tu as dit que tu étais enceinte de lui alors. Je n'étais pas enceinte de lui. Non, tu dis que tu étais enceinte. Quand tu couchais à lui, tu étais enceinte. Non, moi-même, je voulais pas être lui. Non, madame, c'est très malhonnête de votre part. C'est que tout ce que le monsieur l'a dit là, mais l'enfant là. Un enfant ne peut pas avoir 10 pères. Pour aller faire ton coco, déjà, mais ils ont donné 10 bouteilles de choses. Et puis encore, au village, ils ont tué des bœufs. Toi, ton cul, là, c'est comment? Ce que tu as commencé, là, enfant du monsieur, il faut lui donner. Tu sais très bien que quelqu'un d'autre t'enceinte. Et puis tu dis, c'est ton nez. Quelqu'un d'autre t'enceinte. Et tu viens à être grossesse de quelqu'un d'autre. Tu as couché. Et puis quelqu'un d'autre vient de vous trouver sur plateau. C'est Satan. Je vais venir vous trouver sur plateau, là. Mais il faut venir nous trouver. On n'est pas loin. Il faut venir nous trouver. Maman, c'est ce que tu dis. Je dis, tu as raison. C'est une manière de se comporter. Puis tu vois, tu me dis ici, mon antenne ici. Carrément que l'enfant, là, n'était pas lui. Grossesse, ça. C'était tout ça, là. Je dis. Je veux mon enfant. Moi, je dis, tu vas avoir l'enfant, là. Je veux mon enfant. Non. Non, mon fils, calme-toi. Excusez-moi, les téléspectateurs, c'était tellement fort que vraiment, il n'a pas pu tenir. C'était vraiment très fort, très vraiment fort. Et la dame qui me répond carrément, qui me dit parce qu'il est impuissant, c'est pour ça que cet enfant n'appartient pas. Donc, les femmes, vraiment, ne faites pas ça. Tu sais que ce n'est pas à lui, il ne faut pas lui remettre. La grossesse qui n'est pas pour l'autre, ne donne pas à l'autre. Et puis, il monte dessus, c'est du péché. C'est du péché, puis c'est de l'escroquerie. Vous êtes escroc. Avec l'émission Gourmet Sucré, vous allez toujours avoir les bonnes nouvelles. Merci.